Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers de Google et plus spécifiquement à celui de Gmail où je vais vous expliquer aujourd'hui comment avec un seul compte Gmail vous pouvez avoir une infinité d'adresses email pour pouvoir faire des filtrages beaucoup plus faciles. Et aussi pour pouvoir savoir qui a revendu votre adresse email et vous spam. En effet, si Gmail propose des filtres assez poussés, il est difficile de savoir qui vous a envoyé l'email exactement si vous donnez la même adresse email à tout le monde. Il est également assez fastidieux de créer une adresse email par site ou par service pour pouvoir ensuite faire le tri et de toutes les réunir ou de toutes aller les consulter. Donc Gmail intègre nativement des outils qui vont vous permettre de multiplier les adresses email. Et donc le, leur personnalisation de manière à reconnaître le site qui vous envoie les mails ou donc qui a revendu votre adresse email à un site que vous n'aviez absolument jamais souhaité ajouter dans vos contacts et dans ceux qui allaient vous contacter. Et donc je vous montre aujourd'hui comment ça fonctionne et surtout comment donc utiliser ensuite tout ça avec les fils. Donc comment utiliser ces différentes adresses bah, C'est très simple, le but là ça va surtout être de vous prouver que ça fonctionne. Ces différentes adresses vont se faire en rajoutant des majuscules, des points ou un plus à la fin de votre adresse. Pour pouvoir créer plusieurs alias. Donc, imaginons par exemple que j'aille m'inscrire sur Facebook avec. Euh, donc, l'adresse ici qu'on va utiliser, c'est rappelsvista.com. Donc, ça, c'est l'adresse Gmail principale. C'est celle que j'ai créée ici pour l'occasion. Vous voyez, hein, c'est vierge, il hein, n'y a rien du tout. De manière en fait à avoir une adresse pour la tester. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans les copies ici, on va rajouter en fait plein de variations et on va voir si le message arrive bien à l'ensemble de ces variations. Donc, vous voyez, j'ai gmail.com. Bon, ça, c'est une première chose, c'est mon adresse de base. Mais par exemple, je vais m'inscrire sur Facebook. Et eh bien, je vais utiliser par exemple gmail.com Ce qui fait que si après j'ai un autre site que Facebook qui m'envoie des mails sur rappels.vista, et eh bien, je vais savoir que c'est Facebook qui a revendu mon adresse. Je vais savoir que c'est eux, les personnes à abattre en gros, et à cause de qui je me fais spammer. Et puis après, je vais aller euh, bah, par exemple sur Amazon. Et donc sur Amazon, je vais par exemple faire vista at gmail.com. Et là par exemple, bah, je sais que ça c'est l'adresse que j'ai mise sur Amazon. Et donc bah, si c'est l'adresse que j'ai mise sur Amazon, je sais que si je me fais spammer sur celle-ci, c'est bien Amazon qui a revendu mon adresse. Et puis je vais m'inscrire sur Netflix. Bah, je vais faire vista @gmail.com et là encore une fois vous avez compris hein, avec ce point là et donc déjà en décalant des points et en en mettant plusieurs hein, parce que techniquement je peux en mettre plusieurs c'est à dire que si je veux faire euh, r.a.ppelz.vista@gmail.com hein, voilà ça va marcher aussi hein, donc je peux mettre plusieurs points donc vous imaginez déjà le nombre d'alias que vous pouvez avoir uniquement avec des points parce que bah, vous pouvez mettre un point à un endroit, après vous pouvez mettre deux points à deux endroits différents à chaque fois, vous pouvez ensuite mettre trois points à trois endroits différents jusqu'à ce qu'il y ait des points entre chaque lettre. Donc, déjà, avec une adresse comme celle-ci, j'ai pas fait le calcul, mais vous avez quand même quelques dizaines d'alias déjà possibles uniquement avec les points. Ensuite, vous avez d'autres alias possibles. Vous pouvez très bien, par exemple, faire celle-ci. Donc là, c'est avec les majuscules. Et donc, grâce à ces majuscules, vous allez encore pouvoir créer d'autres alias puisque vous allez pouvoir mettre une majuscule. De majuscules jusqu'à l'ensemble en majuscules, ça va encore vous créer d'autres alias. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a énormément de sites maintenant qui acceptent les mails dits complexes, et donc vous allez même pouvoir rajouter un tag super facile à avoir en tête pour savoir qui c'est. C'est-à-dire que si par exemple, je reprends l'exemple de Facebook, je vais m'inscrire sur Facebook, bah, me souvenir que c'est rappels.vista que j'ai utilisé, ou avec telle majuscule ou tel point, c'est pas forcément évident. Donc je vais faire par exemple rappels.vista plus FB. Pour Facebook, gmail.com. Et puis quand je vais aller sur Amazon, je vais faire rappels euh, vista plus amzn gmail.com. Et puis sur Netflix, eh ben je vais faire rappels vista plus ntfx par exemple arrobas gmail.com. Et de la même manière, encore une fois, le rajouter le plus. Et ce que vous voulez derrière, avant le et bien, vous pouvez créer autant d'alias que vous voulez et en faire un par site. Et donc là, si on fait ça, donc test, je m'envoie le message. Et là, vous voyez bien que j'ai aucune erreur. Hein. Donc même si Gmail a détecté en fait, le fait que, euh, que c'était le même message et donc ne me l'a reçu qu'une fois, sur l'ensemble des mails que j'ai mis ici... Et eh ben euh, voilà, vous voyez que... Euh, j'ai pas de message d'erreur, j'ai pas de message comme quoi il n'a pas pu le délivrer. Donc c'est bien que Gmail a bien envoyé l'ensemble du... Le mail à l'ensemble des adresses que j'ai indiquées. Et d'ailleurs, quand vous êtes ici, vous voyez, il vous le met là. Hein. Il s'agit bien de votre adresse, bah ouais, là il vous le remet. Vous voyez Vous avez mis des points, mais en fait c'est toujours la même adresse. Alors là, il ne vous le met pas avec le plus, mais c'est le principe elle-même. Hein. C'est-à-dire que si on refait un test spécifique... Donc voilà, avec le plus Facebook, retest, envoyer. Là, voilà, vous voyez que mon retest est bien arrivé, alors que l'adresse que j'avais indiquée était bien avec un plus FB. Voilà. Et donc, vous avez comme ça la possibilité de faire plein, plein de choses. Et là, vous voyez, des adresses que j'ai ratées, c'est juste parce que j'ai oublié de Z, en fait. C'est juste que je suis un boulet. Donc là, effectivement, il me mettent des adresses introuvables. Vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas le Z avant le V, là. Hein. Donc c'est juste moi qui me suis raté en tapant, en fait. Mais dans le principe, sinon, toutes les autres avec d'autres points ailleurs euh, fonctionnent parfaitement. Il hein. n'y a, y a pas de souci là-dessus. Et celle avec les plus aussi. Voilà donc comment créer autant d'adias que vous avez besoin sur Gmail. Et donc la deuxième application que vous pouvez avoir de ce système, c'est aussi pour faire des filtres. Puisque si vous voulez, par exemple, filtrer tous les mails qui viennent d'Amazon, bah, vous allez dire, par exemple, je crée un filtre avec... Amazon et euh, s'il y a Amazon dans le message, eh ben euh, je veux que tu me le mettes dans un dossier spécial ou avec une couleur spéciale ou des choses comme ça. Le problème de ça, c'est que si à un moment Amazon vous envoie un seul mail où c'est pas marqué Amazon, parce que par exemple c'est du HTML et qu'ils ont leur logo dessus et qu'ils savent que le logo est censé s'afficher en image et donc qu'ils ont pas mis le texte Amazon dedans, eh ben vous n'aurez pas le bon tri. Et eh ben là, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez pouvoir comme ça en fait aller faire directement votre filtre. Donc, dans paramètres ici, tac, filtre. On va donc créer un filtre et on va dire quand ça vient, quand c'est destiné à, donc on disait, rappelsvista plus amzn.gmail.com. Alors, tu vas lui appliquer un libellé qui va être un nouveau libellé marqué. Amazon, que l'on va créer, voilà, et ce libellé Amazon en plus, donc on va lui mettre une couleur ben, orange Amazon par exemple, voilà. Et donc comme ça, dès que vous allez recevoir un message de cette adresse mail, puisque Amazon va vous écrire sur cette adresse mail là, hein, donc rappelsvista plus amzn at gmail.com, votre commande est expédié juste pour tester voilà on l'envoie et à partir de maintenant dans ma boîte de réception effectivement je vais avoir un bel onglet Amazon orange sur toutes mes commandes Amazon et la possibilité de retrouver tous les mails en rapport avec Amazon directement en cliquant dessus et donc ça c'est aussi le deuxième usage que vous pouvez avoir, c'est d'avoir des filtres qui soient infaillibles, puisque bah, Amazon, Facebook ou n'importe quel autre site n'a aucune raison d'utiliser une autre adresse email que celle que vous avez rentrée en vous inscrivant, et donc vous êtes absolument certain de la rigueur de votre filtre et de sa robustesse et qu'il ne laissera passer aucun message à l'as parce que vous aurez mal configuré votre filtre ou qu'il n'y aura pas les bons mots-clés ou les bons détails. Voilà donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à lutter plus efficacement contre le spam et surtout à rentrer dans l'art des sites qui ne sont pas vraiment euh, les plus gentils dans le domaine pour que vous puissiez vraiment euh, finir par vous imposer. Je pense que si tout le monde fait ça et tout le monde écrit au service consommateur après pour râler, eh ben, il y a des chances que les politiques changent et que les sites soient un petit peu plus respectueux euh, et évitent de revendre les listes comme ça à tout le monde pour qu'on se fasse spammer à longueur de journée. Si vous cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à faire tourner tout ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie, les nouvelles technologies, l'informatique et les jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne. Continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous Bye bye